Non, mais on est le quoi? On est le 11 février. Puis là, il fait chaud aujourd'hui. Okay, tu vois, mon toit, il va se vider dans pas long. Donc, c'est vraiment intéressant comme. Okay, ça a l'air de ça. Hein? Hey, je suis avec Sébastien! Puis là, ben, la visite maintenant, on met ça dehors. Hein? Donc, là, donc là, il a amené son kit. Donc, on va s'installer une petite banlieue de tente chaude. Qu'est-ce que tu fais? Je suis perdu. OK. Donc... Non, sérieusement, là, j'essaie d'aplatir ça. OK. Puis, ça va aider justement pour aller s'ancrer un peu plus creux. Ouais, parce que c'est là que tu vas mettre ta tente chaude. Ouais. OK. Puis, donc, ben moi, j'ai un petit TOC, là, un trouble obsessionnel compulsif. J'aime ça que ce soit au niveau. OK, là, comment tu vas... Comment, parce que là, il annonce du sud-ouest. Ça, c'est le navigateur qui parle. Ouais, c'est ça, parce que... Moi, ben, je positionne toujours la porte du côté opposé où le vent va arriver. OK, là, il sort la fameuse tente chaude. Ben, j'ai pas trouvé la recette magique encore, mais j'ai quand même une technique qui me permet, en moins d'une heure, de monter ça. Moi, je veux pas que les tisons arrivent sur ma tente. Oui, parce que moi, j'ai brûlé la mienne déjà. OK, donc là, toi, là, tu vas planter ça carré dans la neige avec des piquettes. Ouais, je vais commencer comme ça. On va voir comment ça se positionne. OK. Je vais relever le poteau une fois que mes piquets vont être juste plantés dans la neige. Je vais probablement compacter la neige avec mes bottes par après pour que ça se tienne. OK. Si on voit que ça tient pas, on ira chercher des bonnes branches de bois ouais. pour se planter plus creux, tu sais. OK. Donc là, ça donne une idée, là. Ouais. Il va falloir que je me tasse plus par la boule. Là, donc quoi, là, le poêle, cette nuit-là, il va ramollir tout ça ici. Là. Ben non, ça, c'est sûr. C'est déjà mieux. Là. Ça, mais donc là, l'idée, c'est que je repars d'ici. Ah, c'est ça. Puis là, tu fais le tour. Je vais chercher le maximum de la tension voulue, sans que ce soit ancré solidement, parce que de toute façon, ça va être à refaire. OK, là, j'ai manqué la prise de vue, mais il y a eu un petit coup de vent, et puis les piquettes dans la neige, bon, ben, OK. Donc, qu'est-ce que tu veux, c'est des choses qui arrivent? On risque d'attraper un peu plus de. Voilà, au moins. De solide. On sent que ça rentre, là. OK. Là, ben, pour éviter que la branche. Pour pas que la branche se fende quand tu tapes dessus, là, quand je cogne dessus, ouais. Je vais y donner quand même un petit angle. Okay. En sorte qu'elle soit un petit peu pointue. Donc là, quand tu as une hache qui coupe bien puis que tu t'en vas loin dans le bois, là, faut toujours que tu penses que tu veux pas te blesser. Hein? Dedans, vers l'extérieur. Oui, parce que la hache, ça peut être un objet très dangereux. Puis on voit qu'elle est bien aiguisée, sa hache. Alors, on a ici les deux écoles. On a Sébastien avec sa petite ciotte super pratique qu'on peut transporter. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis un gars de chainsaw. OK? Donc, j'utilise la scie mécanique. Oh, le bananier, il pousse bien. Hey, oh, là, ça commence à être beau. C'est une belle banlieue, ça. Donc là, si je comprends bien, t'as installé au banc qui vont être autour de la cheminée. Ouais, j'aime ça, l'ouverture de la cheminée, là. Ouais, c'est ça. J'aime ça que ce soit, malgré le vent, tout ça, que ce soit fixe. Ben, absolument. Que la cheminée balotte. Moi. Puis, ouais. La cheminée comme telle, elle est au banné. Aussi? Parce que c'est... Ouais, moi, ça me tient. Le poêle est tellement léger que ça le tient en place. Hey, Sébastien, c'est quoi cette patente-là? Là, ça, c'est de la fibre de verre imprégnée de silicone. Puis, c'est pour ça que ça passe pas au feu? Ouais, hein? Ça brûle pas. Okay. Montre-moi les dons, hein, comme il faut. OK. Ah, ben, tu vois, c'est. Tu sais, ça a brûlé des après-midi de temps, des fois, dans la cour chez nous. Là. OK, ça t'offre l'avant. Mais en ayant la cheminée, je vais la au banné, je la tiens, puis je ouais. m'organise justement pour qu'elle s'accote pas. Bon, là, la partie importante... Mon Dieu que c'est pas gros, hein? C'est ça, c'est ton non, poil, ça. C'est pas gros, puis c'est super léger. OK. Donc, c'est pratique pour quelqu'un qui part en randonnée avec un pack-sac. Parce qu'il est démontable, hein, si je... Oh, oui, là, je... Ouais. Ça, c'est la version paresseuse, parce que je savais que je m'en venais chez toi. OK. Donc, il est resté monté de la dernière fois, je l'ai pas démonté. Mais c'est sûr que si tu étais en pack-sac, là, tu vois... Oh, je le démonte, puis ça rentre... Ça rentre là-dedans. Ça, c'est toi la poche que t'as faite ça, ouais. là? Ouais, OK. Je peux la mettre à l'extérieur, tu l'as sur mon sac à dos. Ouais, ouais, oui, on l'a mis ça. Je peux la mettre à l'intérieur aussi. Ouais. Puis la cheminée, elle... Ah, tu as fait une poche aussi. Pour ceux qui se posent la question, là, je vois... C'est ça, la marque de ça. OK. Donc,
que vous le savez. Tu fais en Chine, ça? C'est fait en Chine. Qu'est-ce qu'on n'achète pas qui est fait en Chine? Ça, c'est fait à Toronto. Ah, ben, Colin! Canadien, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que je pouvais en courir. Il a dû coûter cher. Ouais, je sais plus. Je me souviens plus par rapport aux autres marques là, okay. Américaines. Là. Ouais. Ça, c'est fait chez nous. Bon, ben, t'as rien. Ouais. Parle-moi de ça. Ça faisait du bien. Puis là, il y a comment de feu? Tu dis qu'il y a au moins c'est quoi, ça fait 2 ans que t'as ça, ce poil-là? Ouais, ça fait 2 ans. Puis, il t'offre quand même pas si mal. Hein? Lui aussi, ben, à peu près 25. Je te dirais 25, là. Okay. C'est peut-être 28, peut-être donc, 24, là. OK. T'as vu, j'aurais été de bouger, là. OK, c'est vrai. Ben, Colin, ça t'offre quand même. Oh, oui. Tu sais, on a eu l'impression qu'il serait mort, tu sais, dans pas long. Là. Non, ouais. C'est okay. Tout en titane, en alliage de titane. OK. Ah, non, ça, c'est drôle, toi. Puis c'est quoi la matière? Ça aussi, c'est en titane. En titane. Et c'est vraiment, vraiment mince. OK, cette patente-là, on dirait un obus. C'est ça, on va enlever la... Il faut pas perdre ses pièces. Ne pas perdre les pièces. Un collet avec des anneaux. Ah, ben oui. Ça, c'est tes petits collets. Donc ça on s'assure que la cheminée va pas s'ouvrir. Non, pendant que tu dors. Flank! Alors, on va voir si c'est magique. Ça fonctionne. Ah! Ouais, juste au bout, là. Hop! Ça burn. C'est quand même capoté, là. OK. Ça commence à avoir du vécu. Oui. Ça, c'est le kit. Donc là, on a l'autre extrémité. Le collet, c'est toi qui l'as fait? Non, ça, ça venait avec aussi. Ça, c'est le bout de papa dans maman. Ouais. Ah, OK, oui. Et là, je m'organise ici. Il y a une petite clé dessus. T'as pas obligé de traîner ton tournevis. Ben non, il faudrait être fou en forêt avoir le tournevis. Ça. Ouais, qui est dedans, là, ça va pas bien. Puis là, il y a la... Ça, c'est une clé, ça? Ouais, le damper. Damper, OK, donc, yeah. Là, on peut ajuster... Oui, l'entrée d'air. Ouais, l'entrée d'air? Ouais. Expérience après 2 ans, là. Ouais. Moins que ça, là, ça tire plus. Par contre, la combustion est plus lente, donc ouais. Ça dure plus longtemps. Ben, c'est ce qu'on veut. Donc là, on met le poêle dans le chalet. Là. Ouais, là, je le mets de façon temporaire. Je vais aller installer la cheminée, elle va se tenir. Ah, bon, ben voilà. Donc, on installe la dite... cheminée. Tiens, ça aussi, c'est maman dans papa. Papa dans maman. Papa dans maman. Il y a des choses qu'il faut que tu apprennes, là. Call in the bin. OK. Wow. Okay. Ça tient là. Puis on est pas mal à la bonne place. Puis comme oui, hein, tu vois que le gars, il a l'œil en chien parce qu'il n'a même pas déplacé le poêle. Ouais. On voit que ça... les haubans tiennent la cheminée. Je trop serré, là, juste pour dire qu'il y a une petite tension. Oui, c'est ça. Ça OK. Mais cool, Lynn de Bin. Donc, c'est sûr que t'es mieux d'y mettre des petites papates, sinon il va descendre dans le fond de il va aller chercher le sol, lui, là. OK, s'il y en a qui veulent savoir où est-ce qu'il l'a pris, là, sa tente, là, bien, c'est ça, ici. Là. Ouais, il y a différentes. Je pense que c'est la même tente qui se vend sous différentes marques, là. Donc, ça, c'est ton kit d'isolation pour la neige, naturellement, parce que t'as beau avoir un sac de couchage à 100 000 $ si t'es direct dans la neige, ça marche pas. Non, ça fonctionne pas. Mais là, ça, c'est tout ce qui est matelas mousse. Okay. Et un matelas gonflable aussi. Là. OK, t'as ton petit gonflable avec de l'air. Et ça, je pense qu'avec toutes les épaisseurs, là, ça donne un R8 ou 8,5 d'isolation. OK, on voit le prof. Je pense qu'on dit que c'est. On suggère d'avoir un R5. Là. OK. Ouais. Puis là, t'es pas loin de ton poêle pour pouvoir nourrir ça. Puis, ouais. Puis là, tu vas rentrer ton bois dans le fond. Hey, donc, pour faire un feu l'hiver, là, t'es mieux de te faire un plancher, OK? Yeah, j'ai mis des morceaux de bois à terre. Là, parce que sinon, il va mourir tout de suite par le tour, OK? Donc, l'écorce de bouleau, tu te trompes jamais avec ça. Tu sais, il y en a qui montent déjà un petit tipi. Là. Moi, je monte pas un petit tipi. Je suis prête. J'ai tout mon bois autour, OK? Donc là, j'allume mon écorce de bouleau. Donc, l'écorce de bouleau, tu te trompes pas avec ça. OK? Voilà. Et moi, je vois progressivement comme ça. Puis ça finit toujours par marcher. Tu vois, l'écorce de bouleau, hein? C'est ça que ça prend dans la vie. Mais fie-toi pas à ça. Là, ça a l'air à bien brûler, mais nourris-les. Parce que ça marche. Là. Donc là, t'essayes de pas avoir un beau manteau Artérix. Donc là, tout à l'heure, on va aller chercher plein de bois pour asseoir, se faire un vrai beau gros feu de camp, OK? Donc on a ici toute la panoplie de bouffe déshydratée, faite maison.
Et puis le feu a descendu au sol là, maintenant. Là. Donc on a ici notre eau qui bout avec les épices de camping dedans. Bon, ça va être bon, c'est de la nature. OK, ça c'est des petites légumes. C'est sûr que c'est comme si on était en expédition, là. Mais mettons que je filme pas par là, là. Mettons que je filme par là. On est loin, 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 loin dans le grand nord canadien. Le Canada. Pays de liberté. OK, là, c'est vrai que je vais passer la nuit dans la tente. Donc, là, tout est parfait. J'ai même un voisin. Check ça. Hein? Donc, on va s'installer tranquillement. Moi, j'ai démarré mon poêle. Histoire de chauffer ça un peu. Et là, il est de bonne heure. On va quand même se faire un feu dehors. Là. OK? Donc, il fait à peu près moins 2. Hein? Donc, c'est quand même bon. OK, on a ici deux personnalités. Alors, vous voyez, ici, c'est bien, c'est crissement bien rangé. Moi, c'est le bordel, c'est l'autre bord, mais... hey, c'est un vrai petit salon, on check ça. Qu'est-ce qu'il y a dans... Ah, c'est son sleeping bag, ouais, ça? Ça, c'est le sac de couchage, là. C'est son... OK. Tu sais, c'est le sac de rangement long terme. Parfait. Il est pas compressé, donc ouais. J'aurais pas besoin d'attendre ou je pourrais le déballer à la dernière minute. La chaise, ça fait, je l'ai essayé tantôt, là. Si je me mets plus vers le centre, je peux avoir les pieds être confortables, puis... Donc, d'après toi, t'as-tu un ramasse de bois pour la nuit? Ouais. Ouais. J'en ai trop. OK. Même si on le part là, je sais que j'en ai trop parce que, tu sais, cette nuit, ben, je vais le laisser mourir, je l'utiliserai pas pour la nuit. De toute façon, il fait zéro. Non, c'est ça. Tu sais, mes feux, là, j'en mets dans le fond. Oui, c'est ça. Oui, tu te fais un fond. Ça va faire une braise. C'est ça, exactement. Dans le fond, comme ça. Ça, c'est bon. On revient encore avec notre écorce de bouleau. Ah oh, ouais. Toujours. Ouais, l'écorce de bouleau. J'en regarde pour demain matin. Oui, parce qu'il n'y aura plus de braise pour tout. Là, tantôt, pendant la randonnée, on a éclairci un peu les pistes. Donc, on a du petit bois sec. Oh, ma gueule, tant qu'elle laissait la forêt, on a des petites éclisses. On fait des petites éclisses, puis on va y aller progressivement dans le diamètre. Ah, tabarouette, gars, c'est tout rangé par diamètre. Ouais. Eh, hey, mon Dieu, check-moi ça. Ah, ben, on a pas de niaiseur. Ma trappe est ouverte. Oui, parce au complet. Oui, c'est ça qu'il faut, là, parce que là, ça va vous gagner un petit peu au départ. Ouais. Pas tant. Ouvres-tu, là? Ouais, là, c'est parti. Ouvre dans la porte, là. C'est parti, là, si je l'ouvre. Et tabarnache! L'instincteur, va dormir qu'un instincteur. Ouais, c'est parce que j'ai remis du petit bois, là, d'épinette, là. Mais ce qui est cool avec ton poêle, c'est qu'il y a une petite vitre, hein? Ouais, ça, c'est pas pire, parce que moi, j'ai juste des trous. Ben non, là, il y a une petite vitre, donc ouais. Ça fait une petite ambiance, là. Ah, c'est ça. OK, regardons ça, c'est cute, toi. Mais sinon, ça brûle trop vite. Alors, on voit que chez le voisin, le feu il est bien parti, là. Donc, il va faire chaud là-dedans tantôt. Hey, bonne nuit, mon ami! Allez, bonne nuit, Charles! Wouh! Il pleut, je pense, hein? Ouais, c'est de la pluie, c'est de la... grisille. Ouais, c'est de la chenoute.
Non, mais neigé toute la nuit. On a passé que le feu est mort. Que Sébastien est parti de feu. Quelque chose s'attend, mais je partirai pas mon feu le matin. C'est pas vraiment de la neige qui a tombé, c'est de la pluie. Puis, tu es vivant? Oh oui. Il avait bien trop chaud. Ben, il faisait chaud en masse. T'as-tu chauffé pas mal toute la nuit? Non. Ben non, écoute, c'était l'enfer. Je transpirais. La moitié de la nuit, j'ai dormi le sleeping, tu sais, le sac de couchage, moitié ouvert. Ben oui, c'est sûr. Ben, c'est vraiment trop chaud. Où je me sortais les bras, aussi, puis tout. C'était incroyable. Puis là, finalement, c'est pas tellement de la neige qui est tombée. C'est de la pluie, c'est mouillé. C'est de la pluie. Tu sais, le... En soirée, là, quand vient le temps de se changer. Ouais, c'est ça. Ça c'est agréable. Là, c'est ben fun. Oui. Ouais! C'est ça, toute la nuit, hein? Toute la nuit, je faisais un saut. Une erreur de débutant, tu sais. Ouais, ben c'est non, mais. C'est génial, les pins, mais en même temps. Ouais, mais t'as pas le choix, tu vas être toujours en dessous des arbres à quelque part à un moment donné. Ouais, mais là, écoute, je sais pas toi. Non, toi, ah, non, non, mais ça te bombardait au bout. Je faisais un Christ saut à chaque fois. Même que. Des fois, j'associais pas ça avec ça. Donc là, je pensais, voyons! Oui, une bombe qui me tombe dessus. Non. Mais ça aurait été le fun, une belle petite neige poudreuse. Ouais, parce que là, ça c'est pas le fun. Non, là, c'est tout mouillé. Va sûrement prendre le café dans la maison. Bon, ben, c'était faire du camping en tente chaude avec le randonneur masqué, puis Sébastien. À zéro degré. Donc ça, c'est notre rond de feu d'hier soir. Ça, c'est la table ce matin. OK. Mais la toiture, elle s'est vidée hier. Hein? Puis ça a l'air de ça, quand ça se vide. Et là, c'est ça que ça donne, quand la toiture se vide. Donc, il va falloir que je passe au travers ça. Ouais. Bon, ben, Caroline, les gars sont efficaces en maudit. Tu commandes de quoi sur Internet, puis ça arrive avec les gros trucks, malgré beau temps, mauvais temps. Merci, Monsieur FedEx. J'espère qu'il n'y aura pas de misère à monter à la côte. Hey, c'est vraiment capoté. J'ai du service en maudit aujourd'hui. Donc là, je viens de recevoir ma stiache en tournée. Ma guitare. Alors, on va faire... J'ai déjà vu ça sur Internet. On va faire le déballage de la nouvelle scie à chantourner 16 pouces à vitesse variable. Hey, viens, je te montre comment ça marche. Bon, ben voilà, c'est mon nouveau gadget. Je me suis fait venir une scie à chantourner. Ça va être mon prochain jouet pour faire des patentes. Hein? On se prépare à la retraite. Alors, il s'agit du modèle Makita SJ401. Donc, on déballe ça, puis on regarde c'est quoi qu'on a comme surprise à l'intérieur de ça. OK, on ouvre la patente. C'est plastique dessus, ça va l'emballer. C'est pas chez lui que c'est fait, ça. C'est une Taïwan, je pense. OK. Donc, la première chose qu'on voit, c'est le livre d'instruction. OK. OK, le livre d'instruction, c'est normal. OK, là, j'ai pas mal de... J'ai pas mal de styrofoam là-dessus. Là. Voilà. Je vais le lever vers l'autre sens. OK. Hop, allez. OK, il y a ici... Ah, j'ai des lames ici, on va voir. Il y en a qu'il y en a. OK, j'ai trois... Trois clés Allen. Okay. Il m'a envoyé des lames, différentes lames. Ok, j'ai
pas mal toutes la même grosseur. Ouais, je pense que oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est des lames avec des pins au bout, là. OK? Mais parce qu'il y a aussi, ça existe des lames pas de pins. OK? Donc là, on va voir. OK, 3 Lenky, 6 lames, livre d'instruction. C'est en ballant. C'est lourd quand même. C'est lourd. On va regarder tout ça. Quand tu penses que c'est fait à l'autre bout du monde, puis que tu commandes ça, puis bing-bang, ça arrive chez vous, c'est quand même capoté. Parce qu'on est rendu les humains, hein? Je te dis pas. Et voici l'engin. Une belle base de béton. Et pas de béton, de fonte, pardon. C'est assez lourd comme engin. Et voilà. Donc c'est bon parce que j'ai quand même regardé sur internet un peu comment ça fonctionnait. Donc, OK, on va regarder ça de proche. Donc une scie à champ tourné. Moi, j'ai choisi Makita parce que déjà pour la réputation de la compagnie. Et puis aussi parce que j'ai regardé toutes sortes de modèles, mais ici, tu sais, je peux relâcher la tension. Ah, il y en a une lame dessus. OK, une lame dessus. Donc ça veut dire que dans le fond, il y a 7 lames. Ouais, ben c'est ça, j'ai choisi elle parce qu'on peut relâcher la tension, parce que faut souvent jouer avec la lame, OK? Parce qu'on l'enlève, on la remet pour passer au travers. Donc ça, c'est pour ma tension. Tu vois que j'ai rien qu'à serrer plus fort ici, puis ça fait plus de tension ou moins de tension, OK? OK, donc c'est supposé être 16 pouces, OK, 16 pouces, hein, ce qui donne 41 cm. Et puis, le maximum pour travailler des morceaux de bois, ça va être de 2 pouces, de 5 cm. OK? OK, donc ici, on a naturellement l'interrupteur. Avec un petit truc, là, pour... tu peux enlever ce petit bout-là, puis... Pour, en tout cas, ça, on ne sert jamais de ça. Le plateau, lui, il va se tasser... Ah, OK, j'ai quand même... Je vais tasser le fil, là. OK, je peux avoir 15 degrés de ce côté-là. Et puis 45 sur l'autre côté. OK, donc ça, je ne sais pas, on va voir si je me sers de ça un jour ou pas. Donc, j'imagine qu'il faut vraiment s'assurer que ça soit à zéro, hein? OK, on sert ça comme ça. Oh mon Dieu, ça passe-tu? Oui, ça passe. OK, la vitesse variable, collecteur de brin de scie. Donc, on va brancher le tout. Ah, puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Là, il y a une petite porte ici. Petite porte qui s'ouvre comme ça, que tu descends. Ah, c'est pour mettre les lames. Ouais, je pense pas qu'on se serve de ça. Ben. OK. Donc, on va brancher ça, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Bon, OK, le tout est branché. On va voir comment ça rentre. Ah, c'est quand même assez smooth. Pas trop bruyant, pas pire. Hein? Puis la vitesse variable. Ah, ben, colline. Pas si mal. Donc là, dans ce que j'ai vu, moi, c'est que la tension de la lame, c'est où? À l'œil, OK? À l'oreille. Mais ça, moi, j'ai jamais travaillé avec ça encore, donc je vais le savoir plus tard. Là. On va essayer de couper un petit morceau de bois, ouais. Juste pour le fun. OK, on va se faire un premier morceau à vie. J'ai une espèce de petit gabarit ici. Donc, je vais tracer mon petit chevreuil. OK, alors on trace ça. C'est juste pour l'essayer. Okay. Donc, ah ben, pas si mal. On démarre la pétanque. Okay. C'est une vitesse moyenne. J'ai oublié de descendre le petit pied. Parce qu'en principe, j'ai un petit souffleux, moi, là-dessus. Là. OK? Ça a l'air à souffler d'ombre, là. Ça souffle pas de yo. Ça, le tuyau pour bien grand. Hein? Là, j'ai même pas lu le livre d'instruction encore. Là. C'est ça qui était épais, là. Moi, il tournait comme fou, tu sais.
C'est pas bon. OK, on arrête ça. Ça marche pas. Ça marche pas. Je pense qu'il faut, il faut toujours lire le livre d'instruction en premier. OK, je vais essayer de faire toutes sortes de patentes, là. Mettons que je me fais comme... Pour vraiment tenir, là. Ça tourne pas pire. Mettons, je m'en reviens de même. J'imagine, au début, on pète bien des lames, là. Premier morceau ever. Ah bon. OK, alors c'était le déballage de la Simakita J... non, SJ401. Donc, je vais apprendre à travailler avec, puis après ça, je vais vous faire des tutoriels comment que on gère ça, une petite scie même, parce que bien, ça a l'air cool, faire des petits morceaux comme ça. OK, je pense que je peux aller jusqu'à 2 pouces, mais... Puis, tout le monde a de l'air enlever le guide ici, là, je pense que je vais l'enlever aussi. Puis là, à date, on dirait pas que ça souffle fort, fort, là, mais le tuyau, il... tuyau, il est bizarre, le tuyau, là. Donc, je vais travailler avec, puis je vous reviens. Bon, ben, j'ai réussi à faire un orignal, là. Parce que j'ai un gabarit. Je m'étais déjà fait un gabarit. Mais j'ai déjà pété une lame. ça n'a pas de l'air facile au premier abord, là. Mais tout s'apprend. Donc, avant que j'arrive à en faire plus... Donc, au moins, je peux travailler avec ce petit scie-là, je peux travailler dans mon atelier à l'intérieur, parce que j'ai une scie à ruban aussi dehors, mais ça frette pour les mains, mon atelier n'est pas chauffé. Donc, c'était la scie à champ tourné Makita, SJ401, je pense, c'est ça? Donc, finalement, quand tu veux défaire la lame, faut que tu changes ça, mais moi, je pensais que En déclenchant ici, on pouvait l'enlever facilement, mais non, faut slacker ça au complet, là. Comme ça, comme ça, comme ça. Faut vraiment que ça... Je pensais, moi, que en le déclenchant, ça me permettait de défaire la lame, mais non. Donc, ça prend la petite clé ici. Comme ça, OK. Puis là, à partir de là, tu peux enlever ta lame. Parce que tu sais, je vais la péter bientôt. Mais là, ça, c'est encore... Ça, c'est des lames avec des petits tenons, là. Mais je me suis fait venir des lames sans tenons. On va voir si c'est plus efficace. Ils sont peut-être un peu épaisses, là. Donc, c'est pas donné. C'est pas donné. Dans le sens que... on vient pas bon tout de suite en partant. J'ai quand même réussi à faire des affaires de même. Là. Faire des casse-têtes, OK? Des petits serpents, puis des petits morceaux, c'est comme ça. Mais tu sais, gars, j'ai déjà enlevé une partie du guide. Ça allait ici, ça, comme ça. Et puis, mais j'ai laissé lui, là, parce qu'il n'est pas trop emmerdant, là. Donc, OK. Donc, m'a peut-être venu bon. À suivre.